crois. Alors voici d'Alexandre Lapointe, Marc-André Fortin et Pierre Doré, de même que tout le restant de la troupe, dans ce classique du temps des fêtes. J'ai dans la tête un vieux sapin, une crèche en dessous, un Saint-Joseph avec une canne en caoutchouc. Était mal faite pis j'avais faim, quand je venais de passer 3 heures dans un igloo, qu'on avait fait 2 ou 3 gars chez Girondou. J'ai devant les yeux quand je suis heureux une sorte de jeu, qu'on avait eu une sorte de grange avec des bœufs. La même année où j'ai passé, et le temps des fêtes avec sur la tête une tuque d'hockey, parce que je voulais me faire passer pour Doug Harvey. 23 décembre, joyeux Noël, Monsieur Côté, salut TQ, on se reverra le 7 janvier. J'ai sur le cœur un jour de l'an où mes parents, pensant bien faire, m'avaient habillé en communiant. C'est ma grand-mère, c'était mon père, qui se déguisait en Père Noël pour faire à croire que les cadeaux, ça venait pas tout du frère. On est aussi du spectacle de décembre, c'est qu'il y a des enfants qui... chante et danse pendant le spectacle et ça ajoute tellement à la magie du spectacle présenté à la Place des Arts. Et dans cette magie-là, il y a plusieurs enfants qui sont en prestation. On en a une ce matin qui va chanter pour vous. Je pense que ça vaut vraiment la peine de passer ces prochaines minutes avec nous. Il y a Jasmine Quentin, qui prend toute la place ce matin pour vous interpréter cette chanson. Chapeau de rose, et le troisième avait en main une robe toute fleurie de perles d'or et de jasmin que mon âme, Madame Marie. Noël, Noël, nous venons du ciel d'abord. Lorsque tu soupires, c'est le moment tant attendu. La neige a décoré les branches et la campagne a revêtu sa délicate robe blanche. Enfin Noël est revenu. Noël tout doux, Noël tout blanc, reviens pour nous, petits et grands. Le village semble être reposé sur un nuage de douceur. Dans ce blanc silence feutré, on entendrait battre les cœurs de ces enfants émerveillés. Noël tout doux, Noël tout blanc, plein de joujoux et de rubans. Noël tout doux, Noël tout blanc, reviens pour nous, petits et grands. Au travers des vitres givrées, scintillent guirlandes et bougies. Sur des cadeaux enrubannés, dans le salon comme par magie, trône un sapin illuminé. Noël tout doux, Noël tout blanc, plein de joujoux et de rubans. Noël tout doux, Noël tout blanc, reviens pour nous, petits et grands. Chauffe le fourneau, parfums et saveurs se mélangent. Réunis autour d'un piano, on chante la joie d'être ensemble.
et la plus belle nuit du monde. Noël tout doux, Noël tout blanc, plein de joujoux et de rubans. Noël tout doux, Noël tout blanc, reviens pour donne-moi mon cœur d'enfant. Noël tout doux, Noël tout blanc. Oh oui, je veux y croire vraiment. Noël tout doux, Noël tout blanc. Reviens jusqu'à la fin des temps. Écoutez les clochettes du joyeux temps des fêtes, annonçant la joie de chaque cœur qui bat au royaume du bonhomme hiver. Sous la neige qui tombe, le traîneau vagabonde, semant tout autour des chansons d'amour au royaume du bonhomme hiver. Le voilà qui sourit sur la place, son chapeau, sa canne et son foulard. Il dit vrai tout de même, près du feu, je t'emmène. Allons le chauffer dans l'intimité, au royaume du bonhomme hiver. Le bonhomme mignon, sentit les faisait rire, chacun s'en moquait beaucoup. On allait jusqu'à dire qu'il allait prendre un petit coup. Une fille qui entendit pleurer dans le noir, pour le consoler, lui dit: viens au paradis ce soir. Comme un ange né rouge, tu conduiras dans le ciel avec ton petit nez rouge, le chariot du Père Noël. Une des magnifiques chansons du temps des fêtes, c'est Marie-Noël. Voici Alexandre Lapointe qui l'interprète de décembre. Marie-Noël, petite fille, joujou fragile, petit Noël, de mes Noëls d'enfant. Quand décembre revient, quand résonne, sonne minuit, mon cœur se souvient des manèges, de boules de neige, des petits grands yeux verts et ta bouche rouge faisait tourner à l'envers mon traîneau, mon soleil d'hiver. Ah, c'est dans l'an de Noël qu'on se sent tout en famille. On sort du pont Vingadelle et on en pense à nos amis. Quand arrive le jour de Noël, on se donne du petit présent aux enfants, un beau bon Noël. Et comme ça, tout le monde est content. Moi, j'achète toutes sortes d'affaires, des oranges et des bonbons. Puis les hommes, c'est le contraire, ils s'achètent de petits flacons. Quand arrive le jour de Noël, on se donne des petits présents aux enfants, un beau bon Noël. Et comme ça, tout le monde est content. Tadlidam, tadlidlidam, tudladip, tadlidlidam, tadlidam, tadlidlidam, tadlidlidam. Salut, comment ça va? Ça va super bien. Il y a une histoire extraordinaire avec le public montréalais depuis maintenant 11 ans, c'est ça? C'est la 13e année. Ah, j'ai oublié 2 ans, moi, dans ma tête. Ça va bien ce matin, hein? C'est normal. Pierre, est-ce que je me trompe ou vous êtes le concepteur et le metteur en scène du spectacle? C'est bien ça. C'est pas mal de ma faute, toute cette affaire-là. Mais c'est une belle affaire qui vous arrive, Pierre. Hein? Oui, bien, c'est un privilège, premièrement, d'avoir réussi à matérialiser une vision que j'avais quand j'étais petit gars, quand j'avais 8-9 ans. Puis chez nous, c'est vraiment une tradition de faire un sapin de Noël avec le village, avec vraiment... On mettait beaucoup, beaucoup d'énergie là-dessus avec ma mère, avec mes frères, à chaque année. Puis moi, j'ai eu comme le flash un jour de mettre ça grandeur nature sur un théâtre. Et bien,
bien, ça fait mouche. Ça rejoint vraiment tout le monde. C'est une vision qui est commune à toutes. On a, à tous, on a chacun notre petite trip de sapin comme ça. Mais là, on va le découvrir pour l'espace d'une soirée. Les personnages en dessous de ton sapin de Noël, ils prennent vie et ils te font traverser tout le temps des fêtes dans un tourbillon de danse, de musique et là, vous me corrigerez, Marc-André, Caroline, si je me trompe, mais c'est vraiment une aventure familiale aussi pour vous autres, parce que nous, on y va en famille voir le spectacle. Mais toi aussi, notamment, t'as ta fille qui joue dans le spectacle, c'est bien ça? Oui, certainement. On est tous ensemble. Dans le fond, moi, je suis avec mes sœurs aussi qui font partie du spectacle. Mon frère, cette année, qui a rejoint aussi la gang qui était là avant, qui est revenu comme technicien. Donc, c'est vraiment une affaire de famille. On est là depuis 13 ans. Donc, même les gens qui ne sont pas dans notre famille sont devenus, par la force des choses, dans la famille. Ils sont devenus notre rendez-vous annuel de l'année. On l'attend avec impatience. Il y en a beaucoup dans la production qui sont là depuis les tout débuts, puis c'est la même distribution depuis 13 ans. Moi, je suis quasiment le dernier qui s'est rajouté il y a 8 ans quand même. Puis il y a les enfants qui changent, mais la distribution de base, les danseurs, musiciens, tout ça, c'est... Il y en a beaucoup qui sont là depuis le début. Il y en a beaucoup. Et les enfants, c'est nos enfants. Quand on va vous voir, nous, là, quand on va vous voir, comme nous, on est allés cette année un peu plus tôt que d'habitude, on ne se sentait pas dans la magie de Noël à l'extérieur, mais dès qu'on entre dans la salle, dès que vous commencez, dès que les décors s'illuminent, on le sent, nous, la magie. Le vivez-vous, le sentez-vous que le public embarque avec vous? C'est un des rares spectacles que, dès que le rideau s'ouvre, le public applaudit le décor. Oui, c'est vrai. On n'a pas commencé à chanter ou presque, puis déjà, les gens... Donc, c'est ça, c'est cet effet-là. Les gens embarquent dans le show, puis je pense que vous le vivez sur scène, parce que moi, je suis plus dans la salle, mais moi aussi, je sens vraiment la réaction du public. Mais vous sur scène, le feeling... Hein, c'est... On le sent à chaque représentation, puis nous aussi, ça nous met dans l'esprit des fêtes, inévitablement. Puis pour nous autres, c'est un immense terrain de jeu. T'sais. C'est super le fun de jouer là-dedans, autant de chanter que de jouer pour vrai des monologues et tout ça, et de danser, puis d'avoir du fun. C'est ça, show-là. Là, réveillonnez-vous, parce que là, vous êtes en congé là, mais vous jouez avec Noël puis Jour de l'An, là. Ouais. Ouais. Donc, avez-vous la chance de vous trouver en famille après les spectacles ou en après-midi? Qu'est-ce que vous faites? Oui, mais quand même. Comme là, on a notre petite soirée ce soir, demain. On a quand même deux journées de congé pour le fête en famille. Et le Jour de l'An, on s'en va. Il faut être tranquille, parce qu'on recommence avec deux shows. Oui, c'est ça. Ouais, c'est on est raisonnable. Alors, vous pouvez les attraper à la Place des Arts. Il reste encore quelques bons billets. Cinq représentations seulement. Je vous le dis, là, vous allez passer un moment magique. Allez-y avec les enfants. Allez-y en gang. Nous, on y va une vingtaine à chaque année. Puis à chaque fois, on sort de là gonflé de plaisir et de bonheur. Alors, c'est vraiment réussi. Bravo d'avoir maintenu la qualité du spectacle. C'est un défi. C'est dans le sens qu'il faut maintenir la flamme allumée. On ajoute des petites choses à chaque année, mais pas trop, parce qu'on veut pas briser non plus ce lien, cette tradition-là. Parce que dans le corridor, j'entends les gens dire « Hey, tu as remarqué, ils ont rajouté cette chanson-là. » Ou « Ils ont changé ce décor-là cette année. » Fait que le public, vraiment, ils ont des attentes quand ils viennent voir décembre. Donc, faut tenir le bon équilibre là-dedans. Bien, il y a de quoi être fier. Vraiment, bien, bravo, félicitations à vous. Merci. Là, t'es pas enceinte là, hein? Non. Mais non, tu joues la fille enceinte, hein? Oui, mais oui, tu l'as été pour vrai sur scène. Oui, la première année, j'étais enceinte pour vrai de ma fille Nora, qui là, maintenant, partage la scène avec nous. On entend du chat tout à l'heure. Alors, on va vous laisser nous chanter un magnifique... est-ce qu'on dit un cantique ou une chanson de Noël? Une chanson, parfaite. Douce nuit de Noël. Marc-André et Caroline, je vous cède la place pour nous faire rêver et nous mettre dans l'ambiance du temps des fêtes. Merci. Quand tu viendras au monde, je ferai la fête. Et sur le balcon, je crierai à tue-tête. Je polirai le plancher de la chambre où tu dors. Je coucherai à tes pieds comme un garde du corps. Je tapisserai tes murs de cartes du monde. Et les yeux bandés, je choisirai ton nom. Que tu t'appelles Hollande ou Sénégal, j'habillerai mon cœur pour une soirée de bal. Quand tu viendras au monde, plus fragile qu'un silence dans une ville, je ferai mieux que ce que font les dieux. Quand tu viendras au monde, je serai ton nom. Quand tu viendras au monde, souvenir
de douces nuits de Noël, les yeux vers le ciel. Que ces jours bénis soient encore aujourd'hui. Souvenirs de douces nuits de Noël, bonheur éternel. Je suis loin de tout, mais mon cœur reste à vous. Le sapin brille comme autrefois, tous ces chants remplis de joie. Ceux que j'aime enfin réunis pour célébrer cette nuit. Mais un jour vous serez tout près de moi, cher ami fidèle. Oui, je reviendrai vous prendre dans. De ces douces nuits de Noël.